Donc bien sûr, en premier, il faut lancer le module traitement de texte du logiciel LibreOffice. Donc ça marche également avec le module dessin. Donc moi j'ai essayé, j'utilise plutôt en Tecdo le module dessin de LibreOffice, ça marche aussi. Donc là je vais faire un exemple avec le traitement de texte, puisque apparemment c'est plus ce que les collègues utilisent. Donc on va utiliser le module traitement de texte de LibreOffice. Donc voilà, donc moi je l'ai lancé ici à l'écran. Donc la première chose à faire, c'est d'afficher en fait une barre d'outils dont on ne se sert pas d'habitude, hein, qui n'est pas ici en fait. Vous avez tous les outils qui sont ici. Vous en avez également à droite. Donc on va en ajouter une supplémentaire qui s'appelle le contrôle de formulaire. Donc en fait, vous cliquez tout simplement sur affichage, barre d'outils, voilà, et puis vous ajoutez ici, vous cochez contrôle de formulaire. Donc vous avez pour l'instant formatage standard, etc. ou d'autres outils si vous en utilisez d'autres. Mais il faut cocher en fait en cliquant dessus tout simplement contrôle de formulaire. Voilà, vous avez une barre d'outils qui va apparaître ici. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc moi je vais la laisser ici puisque ça sera plus simple pour vous montrer sur quel bouton il va falloir ensuite cliquer. Vous pouvez également la cliquer glisser par exemple ici. Voilà, donc moi je trouve pas ça très pratique, alors vous pouvez la reprendre, la remettre ici, ou la cliquer glisser là-haut dans la barre des menus, mais moi j'aime pas, donc je la laisse plutôt ici. Donc voilà pour le premier réglage d'affichage de la barre d'outils contrôle de formulaire.